Rebonjour Twitch, bonjour YouTube, toujours direct sur Ivasan Studio, toujours sur Pokémon. On va faire l'inverse, légende Pokémon Arceus. Sur la session précédente, j'ai pas du tout avancé dans l'histoire, clairement pas. Par contre, j'ai eu fait quelques missions secondaires. On a trouvé pas mal de missions secondaires à faire en une seule fois, ça c'était chouette. On a découvert qu'il fallait trouver 107 flammes, au secours. Toutes celles du village ont été trouvées, il en faut 20 dans les plaines obsidiennes. J'en ai eu deux, je crois, deux ou trois. Et là, on va se diriger vers le marais Carmin, je crois, pour avancer un peu dans l'histoire. C'est parti. Oui, j'ai fait une toute petite pause Twitch. Mais j'avais besoin de marcher, de m'étirer, d'aller faire pipi. Ah, cinématique. Il y a des champs. Le marais Carmin. Professeur Lavande, voici le marais Carmin. Ici, on trouve entre autres des poissons, oui, bien sûr. Des Pokémon qui utilisent du poison. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc j'espère qu'on va pouvoir craft des antidotes assez rapidement. J'ai entendu dire que tu devais te rendre aux ruines Bon Vivre. C'est par là. Je crois qu'on les voit en fond. Ça a l'air d'être dans la grotte, là. Ouais, c'est un truc dans la montagne. Ces distorsions spatio-temporelles sont vraiment bien étranges. Alors, session précédente, j'en ai visité une. Et il y en avait une autre que j'ai pas visitée. Voilà. Mais c'est... abuser ces choses là quand même. On ne sait jamais où ni quand l'une d'elles va se produire. Ce serait bien pratique si elle s'affichait sur ta carte. Bah c'était pas déjà le cas. Pour le moment, je vais continuer mes recherches dans le marais. Et les distorsions spatio-temporelles. Ah c'est bien. Il me met le truc maintenant alors que j'en ai déjà croisé quoi. Donc, ce sont des endroits dangereux où apparaissent de puissants Pokémon. Si vous avez malgré tout le courage de vous y rendre, vous aurez peut-être la chance d'y trouver des Pokémon et des objets particulièrement rares. Poursuivez vos recherches avec entrain, mais attention quand même à ne pas trop en faire. Et si jamais les Pokémon sauvages vous semblent trop forts, je vous conseille d'aller au dojo de Belila afin d'apprendre de puissantes capacités. C'est vrai que j'ai pas pensé à y passer. Bonjour Lucia, t'as des choses à me dire? Non, d'accord. Alors le craft, c'est là... J'ai pas beaucoup de Pokéball, j'ai pas vraiment de Super Ball, j'ai des Mass Ball. J'ai pas énormément de choses, hein, de manière générale. Bon, qu'est-ce qu'on veut? Rien du tout. C'est une flamme, c'est quoi? C'est un Fantominus? C'est un Fantominus, très bien. Alors, j'ai une quête ici. C'est juste trop chanceux. Pourquoi c'est pourquoi je suis chanceux? J'ai pas compris. C'est toi le chercheur dont tout le monde parle au village? Ah, qu'est-ce qu'elle me demande? Elle veut Roselia? Donc en gros, va falloir que je le Pokédex Roselia, quoi. D'accord. Si tu veux. Ensuite. Elle y a une mission, elle est super loin. Hein. Elle est vraiment, vraiment super loin. C'est très, très le marécage. Il y a une autre mission qui est méga loin. Première chose que je vais faire, c'est récupérer les colis à ma gauche. Fantominus, puis les colis à ma gauche. Ça, on verra après. Je vais en haut chercher cette mission. Je descends. Je fais les deux colis et je fais l'autre mission. Je vais faire ça comme ça. Salut Fantominus. Je sais pas du tout de quel niveau ils sont. Oh, il y a du riz. J'avais besoin de riz. Niveau 18. Oh, ça va en fait. Je m'attendais à un niveau pire que ça. Franchement. Fantominus. Vous êtes où? Attrapé la nuit. Spécimen vaincu. Vaincu par une capacité spectre.
Étonnement, fois où l'espèce a été effrayée par un sachet pétarade. Pardon? C'est quoi un sachet pétarade? Sais pas ce que c'est. Alors là, on voit qu'il y a du caillou. Ah! Niveau 26, le gravalanche. Hein. Ouais, ça va fonctionner, ouais, c'est sûr. Mais il me casse les noisettes, lui. Au revoir, casse-corneau. Le problème, c'est qu'il a éboulement, donc j'ai envoyé Charmillon, mais sans conviction. Ouais, mais t'es empoisonné au moins. Pétisol, ça fonctionne pas, c'est nickel. Fait une petite charge, peut-être que ça fait un peu de dégâts. C'est pas suffisant. On va aller se reposer après. Non, non, non. Normalement, je peux peut-être capturer Gravalan. Ok. Alors, il y a un Fantominus qui est traîné par là. Il y a deux Fantominus. Où il est où? Il y a un Pokémon là. Ou alors il faisait nuit, il n'y avait que les Fantominus la nuit. Oh punaise. Les Fantominus, ça doit être la nuit, ouais. Je viens d'avoir un rose bouton. Très bien. Ah bah tiens. J'aurais peut-être pas se balancer les Super Balls comme ça, quand même. On va revenir sur les Pokéballs. Un psycho quoi, quoi loin. Mais il est casse-bonbon lui. Il s'est empoisonné? Qu'est-ce qui se passe? Non, il m'a attaqué, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Une feuille ronde, d'accord. J'avais du riz à avoir quelque part. Je crois qu'il y en a. Non, c'est pas du riz, ça. Faut que j'ai trois riz, il me semble. Je suis pas sûr de moi. Non, c'est pas du riz. Il sait qui m'a, gros. Tu vas te capturer, toi? Sérieusement? Quand même.
y a un gros machin là-bas. Mais on va s'y approcher après. Hein. Ah là, il y a du riz. Okay. Allez, psychopathe. Nickel. Et ça, c'est quoi ça? Je pense pas que je l'ai du premier coup, c'est beaucoup trop gros. D'accord, j'ai rien dit, je l'ai du premier coup. C'est un vortante. Ça, c'est quoi? Une herbe. Carte! Ah, il y a un colis qui est par là. Un peu tout droit encore. Il y a un paras qui m'a vu. Ah bah le colis. Parfait. Je crois qu'il y a un truc qui m'a attaqué derrière. Il est 19. Au revoir, Paras. C'est quoi ça? Des petites herbes. Non, mais il m'a pas vu de là, c'est pas possible. Dommage. Un champignon. Yes. Attaque le taras. Ah, ça lui fait pas grand chose. Lui, par contre, il veut m'empoisonner. Au revoir, taras. Est-ce que mon poison s'en va? Pour de vrai. Oui, le poison s'en va, d'accord. Alors. Forum des objets perdus. Nickel. Il y a des cailloux bleus là-bas. Qu'est-ce que c'est? Les restes d'un feu de camp. D'accord. Oh mince, le cadeau il est sur l'autre. Le colis il est sur l'autre rive. J'y vais comment sur l'autre rive sans trop me noyer? Là je peux pas y aller sur cette rive en fait. Ouais, ouais, c'est sur l'autre rive. Je peux pas y aller si j'ai pas de monture aquatique, hein. Je veux bien essayer de sauter, mais... Non, toi tu sautes, tu... Je peux pas sauter, toi. Tu traces, c'est tout. Là, c'est les ruines, et j'allais pas de suite aux ruines, je crois. Si je non encore. Je traverse. Wow, il y a un arbre tout là-haut. Il y a quelque... On peut accéder là-haut. D'accord, on va pouvoir accéder là-haut. C'est quoi ça? Là-bas, il y a des krixik. C'est un chenity. Il est pas de la couleur habituelle. Mais il est pas shiny, on est d'accord. Ah. C'est beau, ça.
Pokémon là, c'est quoi? Non, c'est bon. Hippoquack. On capture encore des Hippoquack. Qu'est-ce que c'est? Importante. Go! Niveau 20. Aïe. J'aurais sorti Erisandre en fait. La réponse, elle est trouvée, hein. Voilà. Alors, carte. Faut que j'aille. Faut que je fasse le contour en fait. Non, faut vraiment que je fasse le tour. Qu'est-ce que c'est? C'est une ruine, d'accord. Bon, comment je monte? Un peu en trichant, d'accord. Oh, il y a des smogos! Non, pas des smogos, qu'est-ce que je raconte? Des sacs de nœuds. Yes. Très bien. Allez, Erisandre à l'attaque. Non, j'ai dit Erisandre à l'attaque. Erisandre. Vas-y, il est niveau 23. C'est bien, Erisandre. Garde ça. Notre Funity. On va essayer de la voir celui-là. Ah, ou pas. Je pense pas que je l'ai, en vrai. Bon bah d'accord. Quand je dis ça, au final, je l'attrape, n'importe quoi. Là-bas, il y a un portante. Faut que je passe plus de ce côté-là. Faut que j'aille plus de ce côté-là-haut. C'est hyper... là, il va falloir faire quelque chose. Oh, une flamme! Ça, je pense que ça peut se casser, je sais pas comment, mais je pense que ça peut se casser. Bon, là-dedans, il y a un Funity, hein. Bon, tombé. C'est quoi ça là-bas? Il y a un Onyx. Il y a un truc qui pue. Ah ouais, d'accord. Je voulais pas lancer mes trucs. 36 ?
Et j'ai plus que deux Pokémon en fait là-haut. Secours. Et maintenant il pleut. Génial. Oh là là, la galère. Pas mal. Ah, il m'a vu. Peut-être le capturer. Ok. J'ai pas cette place dans mon inventaire déjà. Donc ça c'est du poison, on est d'accord. Sûrement. Onyx, on va pas trop s'y frotter. J'aimerais foncer sur la mission là-haut. On va essayer de faire ça. C'est par là-bas. Je suis obligé de faire le grand tour. Je sais pas comment il montait en fait. Mais vraiment pas. Voilà. Le problème. Génial, la foire au problème. La mission elle est encore tout droit. Je crois que je pense que j'ai juste à suivre le chemin. Ouais, il est là. Oh là, il y a du monde. Salut. Mais vous êtes qui vous? Je sais pas qui c'est ces gens-là. Diamant. Je pense que c'est une platine diamant, mais je suis pas sûr. Bon, j'ai pas forcément parlé à tout le monde. Par contre, je vais rentrer dans les bâtiments, ça oui. Oui, c'est diamant. Un rhinocorne. J'aime bien leur design. Ah là, il y a plein de petits cocoac. Ah, la mission. Ils ont mal à la tête, c'est ça? Eh ouais. Bon, il faut un remède. Aller à Rusticité pour rassembler des informations. Ok, donc faut rentrer à la base principale pour revenir ici.
Ah, elle est intelligente, elle. C'est bien. Un peu du jot. Bon, alors ça c'est fait. Il y a quelque chose derrière moi, une sorte de lac. Lac Courage. Ah ben le lac Courage. C'est pas du spoil de dire qu'il y a un créa elf ou quelque chose comme ça là dans le lac Courage. Donc je vais parier quoi, l'issue de la mission de enquêter sur le Ursa Ring, je crois. Je vais pouvoir avoir une monture aquatique. Je pense. Et il commence à faire nuit. Et il y a du brouillard et tout. Bon, alors maintenant que je suis là, il fallait que j'aille tout bah toujours tout droit en fait. Mais par contre, j'y vois que dalle. Mais vraiment. Nosferapti, Gravalanche. Voilà, c'est dangereux ici. Non, je ne dois pas traverser l'eau. Aïe. Nosferalto. D'accord, carrément. Antominus. Génial, un baron, je suis content. Ah mais j'ai totalement dévié là. C'est quoi ? Un cradopo. Le baron il m'a pas vu. Toi tu m'as vu par contre. Cradopo il m'a vu. Je vais peut-être pas lancer un combat. Je viens de me rappeler que je n'ai plus de vie. Poussière étoile. Mais je veux de la poussière étoile. J'ai plus de place. Punaise. On va jeter ça. Alors, carte. Toujours tout droit. Mais plus dans ce sens-là. C'est là-haut. Il faudrait que je puisse grimper. Et là, il y a un colis quelque part par là. Derrière moi en fait, je l'ai passé. Ah, je le vois. Voilà. Ensuite, un peu plus sur ma droite. Je crois que heureusement que je suis sur la monture. Tout droit. Oh, il y a des moustiques. Ils sont mignons. Trop vite. J'ai plus de super bol. Ah mince. Ah il m'a vu. Il m'a vu aussi. Non c'est pas grave. C'est pas grave. Et là le colis il est où? Sur ma gauche. Il est là-haut. Je le vois. Ah. Ok. Et une herbe souvenir, mais je n'ai pas énormément de ça.
souveraine, pardon. Bon, maintenant, recarte. Il faut que je fasse demi-tour. Bah, demi-tour, tout simplement. J'ai une mission ici. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pour aider au bivouac. Allez, on va faire ça. Faut que je revienne là où j'étais. Je vois rien. Oh non, sérieusement. Une faille ici, quoi. J'ai même plus de place dans les sacs s'il y a des items rares. Ah. Alors, cher monsieur, par contre, madame, je peux pas les battre. Pas les battre, j'ai qu'un Pokémon. Et il est même pas full life. Mais ouais, c'est bon. Voilà. Bon, alors. Il faut aller. C'est bien, j'ai un fly pour l'amour de diamant, ça c'est chouette. Je vais au bivouac. Je me heal et on retourne là où on était. Au passage, j'ai plus forcément de Pokéball, moi. Voilà, ça c'est fait. Alors, toujours tout droit, tout simplement. Non. Je sais pas pourquoi il faut faire le tour là. J'étais pas du tout passé par là tout à l'heure. Je reviens trop sur mes pas là.
Oh, ça passe. Nickel. Attention, là il y a de l'eau. Stop. Tout droit encore là-bas. Ensuite. Attends, attends. Carte. Je continue un peu sur ma droite. Pardon, par contre. Non, attention à l'eau. Attention à l'eau. Là, il y a un pont quelque part ici. Tu vois. Ah bah punaise. Faire le tour, sérieusement. Je peux monter là? Non. Non. On va faire le tour. Je vais être obligé de passer par la faille? Que j'ai raté un passage en vrai. Bon, on va vous jeter un oeil à la faille. Je vois rien. Histoire de récupérer les items. Les sons. Ok. On a vu un gros drive. Morceau d'étoile. Un porygon Z! Je vais me battre contre un porygon Z. Il va être niveau trop élevé, je pense. Porygon 2, pardon. Ah non, il est pas si niveau élevé que ça. Et il brûle, parfait. Il me paralyse. Bah oui. Là, il va me faire mal. Au revoir, Erisandre. Non, pas trop. Porygon, reste en vie, s'il te plaît. Je dis que je lance mon. Yes. On va res de suite. De suite on res Erisandre. On va lui donner une petite potion. Ok. Alors, mon cheval il est là. Plein tu peux. Un porygon tout court, je veux un porygon tout court. Il est pas brûlé hein. Ça m'embête. J'ai peur de le mettre KO là. Ah, il a évité l'attaque. Une petite flamèche peut-être. Pas mal. Oh punaise, il est brûlé. Au revoir Erisandre, encore. Non.
va résister pour Rigon, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Parfait. Bon, de suite, on re-raise encore Rissandre, le pauvre. On va re-le mettre là, une petite potion. Bon, des items par terre. Ici. Ici. J'arrive pas à voir où est-ce que j'ai pu rater des items. J'ai vu un Mustéboué. Non, un Mustéflotte, pardon. Là, il y a une arène Ursaring apparemment. Wow, il y a un Pyroli. Alors, c'est pas ce que je pensais. Il est niveau 25. Possible. Il a évité l'attaque. Une blague. Ah, il y a l'Evoli derrière qui le tue par contre. Ça, c'est pas bon. Pas mal, pas mal, pas mal. Yes, ça c'est bon. Ça, ça fait mal par contre. Allez, la masse ball sur le Pyroli. Pas l'écran, donc je vais me mettre là. Qu'est-ce qu'on fait sur lui? Vibra quoi aussi? Pas mal. Il va mettre là aussi. Et oui. Go Hérissandre. Non, je vais le mettre KO. Je vais le mettre KO, dans ce cas on va tenter... On va tenter de l'attraper quand même. J'ai attrapé vous. Ok. Alors, de suite on raise Mustéboué. On va lui donner une petite potion. Voilà. Bon, où sont les items? Bon, je vais tourner la caméra par là. Il y a peut-être des items de ce côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un gros lapin. Mais vu qu'il est accompagné, j'ai pas... Ouais, il est accompagné. Il y a des items là-bas en face. Punaise. Ah, adieu la faille. Adieu la faille. J'ai attrapé tous les items. Ok. Et j'ai attrapé Pyroli, Evoli, Porygon 2 et Porygon tout court. Ça c'est chouette. Il y a un moustique. Lancer une masse ball pour rien.
Ah bah j'ai rattrapé un moustique, un Yanma. Les paras, je pense. Si j'en ai attrapé un. Vous pouvez pas faire plus près là. Il m'a vu ou pas? Oui, il m'a vu. On va l'attaquer dans ce cas. Ah, il est niveau 30. Heureusement, mon iris cendre évite l'hypnose. Bon, bah voilà. Ça, c'est... Raté. Raté. Eh ben, iris cendre, let's go. Mal. Alors maquette par contre tout droit au-dessus. J'ai pas rempli beaucoup de pages de Pokédex sur cette découverte du marais là. Je suis en train de faire demi-tour là, mais n'importe quoi. Ah ouais, ça c'est vraiment un grand contour. Un grand contour. C'est pas par là. Qu'est-ce que c'est? Il y a des petits ours. Il y a un Pokémon dans l'eau là-bas. C'est un Cradopo, non? Qu'est-ce que c'est? Je vois pas trop. C'est un Barba machin? Trop loin. Bon, c'est trop loin, c'est pas grave. On va se rapprocher de nouveau. De... Il m'a vu, je crois. Ouais, il m'a vu. Bon, c'est pas grave. Alors, c'était par où il fallait passer? En vrai, je sais plus. J'ai plus du tout le chemin là. Derrière, ma part. Passé quand même. Ah oui, par là, c'est bon. Donc l'entrée, elle est vraiment entre les... Ben, j'ai juste à lire la carte en fait, hein, tout simplement. Hein. Salut. J'espère qu'ils sont pas de niveau trop élevé. Trop élevé. J'aurais dû heal en plus. J'aurais dû le heal. Hein. Allez, un moufouette en moins.
voici un nouveau bivouac, yes. Donc ça va me donner des têtes d'émissions, ça. Et là, j'en valide une émission, de toute façon. Cool. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait là? Non, ce jeu de mots était nul. Pardon, professeur, mais c'était vraiment pas bon. Allez, on se repose juste un petit peu pour Rez qui besoin. Alors, on reprend la carte, on va se diriger vers la quête principale. Voilà, tout simplement. C'est où? C'était peut-être pas le bon sens. Voilà, c'est plus par là. Y arriver. Pas énormément farm les compos là. Petit point Pokédex, ça fait longtemps. Moufler, on en a vaincu un. Oh, punaise, toutes les trucs qu'il y a à faire ici. Et Moufouette, il faut que j'en attrape 2, 4. Vaincre, je suis à 3. Vaincu par du sol. Il faut qu'il utilise gaz toxique, la bombe acide. Et il faut que je ralentisse. Punaise, il faut que je le ralentisse. Ralentir, attraper. Ok. Et pour ça, pour ralentir, je crois que j'ai des choses en fait dans mon. Que j'ai mis bien sûr de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Il m'a vu. Ouais, il m'a vu. Il dort là, non? Le Moufouette, ça c'est chouette. Radopo il m'a vu, on est d'accord. Ouais, il m'a vu. Le pauvre dans son dos, c'est pas cool. Là il y a le Cradopo. Ah ouais, ça marche. Slash. Attends, voilà, qu'est-ce qui se passe, le chat pain? Je
sais pas tout, j'ai pas tout compris, mais ok, d'accord. Tu dors toi ou pas? Je comprends pas. Arrête de bouger, tu cours partout. Bon, il m'énerve. Voilà, comme ça, ça me gêne plus. Oui, non, il m'a vu. Il y a des fantominus! Bon, il m'embête. Je vais voir fantominus, il est plus rigolo. Aïe! Ça va? Où est-ce qu'il est? Où qu'il est? Ah! Ça craint! Tellement eu peur. Il est où Cradopo là? Il m'a vu. Allez, c'est le combat. Est-ce qu'il y a l'autre qui est derrière ou pas? Je sais pas. Oui, il est derrière. Allez, la roue de feu. Désolé Fantominus. Vraiment désolé. J'ai tellement mal celui-là. Ah pas mal. Il brûle en plus. Aïe aïe aïe. Oh punaise, il est KO, il est pas KO. Bon alors par contre, je suis à côté du bivouac, je vais rester de suite Erisandre via le bivouac. Hop là. Enfin, pour rapport à le point d'exclamation host, Robert a mis un truc. En cliquant sur le lien de Robert, ça host la chaîne. Apparemment, c'est ça, hein, j'essaie de comprendre. Faut que j'aille sur la droite, gauche. Point Pokédex, ça fait, là, je me perds dans le Pokédex. Cradopo. Fantominus, faudrait que j'en attrape un, deux, trois. Bon, bon bref, que j'ai tout. Voilà. C'est quoi qu'il y a dans l'eau là? Ah mais ça, je m'en souvenais presque pas. Ok. Donc j'ai un hippopotas comme ça, mais il me faut le foncer. Ah non, la faille. Hein. Elle est où? Elle est loin, ça va. Punaise. Ah, c'est un peu loin par contre. J'ai le droit d'aller là-dedans? C'est couillu ce que j'étais en train de faire là. Qui c'est qui m'a aggro? Ok, d'accord. Quoi?
fait tellement mal. Il y avait des hippopotasses là-bas. Alors attendez, moi faut que j'aille de ce côté. C'est pas lui qu'il faut que j'attrape. Ce n'est pas lui. Ouh, c'est lui qu'il faut que je... Je l'avais pas vu. C'est le gris qu'il faut que j'attrape. Peut-être me débarrasser de lui d'abord. Ça, ça sera fait. Il y a un petit critique. Ou pas. Bon, charge, ça va, je peux supporter. Mais où est l'hippopote? Ah, il est là-bas. Mais il m'a vu. Comment je vais faire? Non mais sérieusement? Bah tant pis hein. Go combat, je vais essayer de l'avoir comme ça. Oh punaise, il est niveau 36. Attends, c'est un sol ça, c'est un haut, c'est quoi? C'est plus. Oh, c'est rien du tout. Bon, il est brûlé. Non. Allez, plions, plions, il faut que je l'ai celui-là, faut vraiment que je l'ai. Oh yes. Bon. Le raise. Deux hérissandres. Deux mustes éboués. Ensuite, les potions. Ok. Ok. Et je me rends compte que j'ai des choses dans les objets perdus à récupérer. Ah, il y a encore un collier au marais carmin, mais ça je sais où il est, mais je peux pas y accéder. Et aux plaines obsidiennes? Sérieux? C'est ça. Ah ouais, d'accord. On va plus tard. Alors, Onyx, par contre... Mais je suis loin! D'où il me voit comme ça, là? Ouais, t'es boué à toi, toi. Pas mal. Ça fait mal. Au revoir, monsieur.
peur de le mettre KO là. Ça joue à grand chose. Allez, au revoir et tour vol. Allez, on va les enchaîner. Punaise. Bon, on va dans les sacs. On raise. Mustébrui. Encore et toujours. Et tour vol. La petite potion. Ok. Carte. Non, j'ai dit carte, pardon. Je vais tout droit. Tout droit. Ok. Pokédex. Tâche non répertoriée 52, c'est pas mal. Il y a trop de Pokémon en fait. Il y a vraiment trop de Pokémon. C'est de l'autre côté. Je peux grimper là. Comme ça? Non, pas comme ça. Cette zone est vraiment détestable. Stop. Pokédex Vortante. Attrapé, j'en ai qu'un. Vaincu, j'en ai qu'un. Voilà. Vaincu par une capacité de type vol, d'accord. On va tester. Voilà. Alors tombe pas, s'il te plaît, Serbina. Merci. Ah, il y a notre Vortante. Sac de nœuds, pareil, j'ai pas fait grand chose hein, en vrai. Attraper 3, attraper sans qu'il vous repère, ça serait bien d'en faire 2 de plus. Vaincu, j'en ai 0. Vaincu par une capacité type feu. D'accord. Bah lui, il est en face de moi, ça va être difficile qu'il ne me repère pas. Et il dort. Allez, ça c'est fait. Si je dépasse, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Ouais, il m'a vu. Il m'a vu. Résiste hein. Voilà. Il y a un sac de nœuds sur la juste en face.
pas si je vais la voir, il était vraiment en gros mouvement. Ok, d'accord. Très bien. Il y a un Vortante en bas. Oui, je peux la voir en combat là d'ici. Ah, peut-être, en vrai. Il faudrait que je remonte après. C'est ça. Où est la porte? Carte. Plus de... Bah, faut que je descende. Bah, parfait. On va aller voir les Vortantes dans ce cas. Et les Vortantes, on a dit que c'était. Vaincu par une capacité de type vol. Voilà. Il y en a deux. Oh, il fait dodo. Oh, il est beau. Mais il est beau, il fait dodo. Quoi. Attraper. Je vais essayer d'attraper celui-là quand même. Il attrape. Allez, go l'attaque. Donc faut que je monte là-haut. En même temps, je vais pas monter en bas. Il y a une autre Vortante là-bas. Maintenant, les... à chaque fois, je confonds les trucs. Attraper, Vortante, il m'en faudrait que j'en attrape un. Ah, j'en ai attrapé un de grande taille. Hein. Et que je continue à en vaincre au moins deux par une capacité de type vol. Donc en vaincre deux par du vol et en attraper un tout court. Si j'arrive à en croiser, ça c'est autre chose. Là-bas, il y a des ours. Non, c'est des trucs. Où sont les Vortantes? Oh, ah mais c'est un baron. Il va être niveau pété lui. Oh oui, il est niveau pété, oui. Pas. Les psychoquacs, j'ai rien fait sur les psychoquacs encore. Ils sont où les psychoquacs là-dedans? Ils sont là. Attrapé, faudrait que j'en attrape un. J'en ai vaincu aucun. J'ai vaincu par de l'électrique. Calme. Voilà, il m'a vu. Donc. Ah, il y a un Vortante au fond, on l'a vu. Hein. Voilà, ça c'est fait. Vortante, j'avais dit quoi? Il y a un psychoquac au fond aussi. Je
Psychoquack attrapé. Vaincu 1 attrapé. Oh là là, tellement de choses. Il y a un psychoquack sur la droite. Deux psychoquacks. J'en avais vu qu'un. Je croyais que j'en avais vu deux. Ah, il est là. Et... il y a un bourgeon là. Bourgeon, les bourgeons, ils ont pas arrêté de m'embêter au début de la zone. C'est quoi? Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est le bourgeon? Rose bouton. Attrapé. Ok. Vaincu, je les ai pas vaincus encore. Ah bon, on va les vaincre. Attendez, j'ai pas regardé. Il faut les vaincre par quelque chose. Et il faut lui donner à bouffer. D'accord. Alors, à manger. Sérieusement? Non, il s'en fout pas. Si, il s'en fout. Ah, il s'est barré, bon, carrément. Ah, il y en a là-bas. Non, il m'a attaqué. Mais tant pis pour toi. Ah, des vortantes, parfait. Alors les vortantes, on en était où? Il faut que j'en attrape un. Il faut que j'en attrape un. Et que j'en vainque un par une capacité. Ouais. Je vais essayer de l'attraper quand même. Il est loin, hein, par contre. Non mais il s'éloigne encore plus. Pas la bolle, oh là. Je sais pas combien j'en ai gaspillé des bols comme ça. Il y a un vortante en face. Il va falloir que je fasse le... la capacité vol, c'est ça? Ouais. Psychoquack, parfait, je le vois là-haut. Psychoquack, psychoquack, il est de l'autre côté. Faut que j'en attrape un, que j'en vainque deux en électrique. Je vais essayer de l'attraper. Ah, oh, punaise, c'est non, je voulais le vaincre avec l'électrique, pas avec une vive attaque. C'est bon, pardon.
Il y a des psychopathes de l'autre côté. C'est vraiment le vaincre, il est là-bas. On va récupérer ça au passage. Voilà. Alors, Repokédex. Psychoquack. Ouais, bon, on va y aller mollo. Hein. Ensuite, Fantominus, faudrait que j'en attrape un, mais on n'est pas en pleine nuit. Rose bouton, faudrait que j'en attrape un. C'est super dur les rose boutons à voir. Vortante. Ouais. Sac de nœuds, faudrait que j'en attrape un. Deux sans que je me fasse repérer. Et que j'en vainque avec du feu. Ok. Eh bien, on remonte. Focus le sac de nœuds. Encore importante. Ouais, je l'attrape. Ah ben les deux tout à l'heure. Il m'a vu. Bah oui, bien sûr qu'il m'a vu. Les deux m'ont vu. C'est pas cool ça. C'est bon. Bon. Ah, j'ai attrapé deux de grandes types en plus. Ça c'est génial. On va avancer dans la vraie quête quand même à un moment donné. Pas un peu ce que je dis depuis une heure. Allez. Ah si, je peux sauter avec lui en fait. Autant pour moi. Quand un Pokémon sauvage, blablabla. Okay. Ça sent un gros combat, ça, vu la taille de la salle. Ça sent pas bon. Le truc derrière est cassé. Je m'appelle Lagena. Lagena. Je suis l'une des gardiennes du clan Perle. La flûte céleste. Tu es le garçon qui est tombé dans la faille spatio-temporelle. Oui. Je vois.
J'ai entendu parler de toi, je sais que tu as apaisé le roi Ashikateur. Tu as rendu service à bien des gens, mais je me demande s'il n'y avait pas une autre alternative. Tout ce que tu as fait au fond, c'est utiliser la force brute pour le faire taire, non? En plus de ça, tu attrapes des Pokémon à tort et à travers avec ces espèces de balles-là. Nous n'avons pas besoin des inventions du groupe Galaxy. Et puis, il y a aussi cette fille, Marcia, elle m'a offert son aide, mais j'ai refusé. Car je n'ai pas non plus besoin de l'aide du clan Diamant. Fichu le grand, maintenant j'ai affaire. Tout ça pour ça? Ah, Percupio. Faut que je me batte contre Percupio. Il envoie un Togepi. Sol, il m'a mis KO. Pas cool. Et voilà. Fin du combat, écoute. Désolé, Percupio. Merci pour ce beau combat, tu diriges tes Pokémon avec un talent incroyable. Merci de m'huile, c'est gentil. Je crois que je vais te laisser t'occuper du fragment du mur qu'on a volé à Lagena. Le fragment du mur? Oui, tu as bien entendu, quelqu'un a dérobé un morceau de mur des ruines Bon Vivre. Tu as déjà entendu parler des détrousseurs? Non. Même la compagnie Ginkgo est parfois la cible de ces trois terribles sœurs voleuses. La Gena parcourt la région pour récupérer son précieux mur de morceau de mur, mais à 99 ans, elle se porte bien. Elle commence à fatiguer. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux bien essayer de le retrouver pour elle? Oui. Je te donnerai un coup de main. D'accord. J'ai vu les restes d'un feu de camp à proximité du bivouac du marais. Oui, en effet, j'y suis allé. Ouais. Bonjour madame. Grande salle. Oui, on y va. Alors. C'est là-haut, là? Alors, Psychoquack, je le vois en bas. J'ai des choses à faire avec lui. Je suis perdu dans mon Pokédex. Juste à en attraper. Ouais, bon. Bah. Je passe mon tour. Il y a un pont qui est... Ah, les paras, ça fait longtemps aussi, les paras. J'en ai attrapé aucun des paras. J'en ai attrapé aucun. Eh oui. Ah, punaise.
débarrasse. Il y a une flamme. De l'autre côté du rivage. Punaise. Tu m'as vu ? Il y a 4 troncs quand même, donc je vais dire qu'il y a 4 personnes. Constance, l'aîné de notre trio. Symbole de pain, blablabla. Qu'est-ce qu'elles veulent ? Et Ernance. Vous avez que des Pokémon de type plante? Et des trousseurs qui sèment la chance. Laissez-moi faire les filles, je vais en faire une bouchée. Un Pokémon. Quatox, hop. Il est niveau combien? 23. Bon, qu'est-ce que vous voulez? J'aime pas perdre, mais je préfère encore ça que d'être aux ordres du groupe Galaxy. Je sens que le groupe Galaxy va mal finir avant même la fin du jeu. J'ai beau avoir quitté le groupe Galaxy, il continue de me gâcher la vie. Qu'est-ce qu'elles veulent? Prends-le, ton fragment de mur, et fiche le camp. C'est tout? C'est tout. Comme il y a des choses écrites dessus, on s'est dit que c'était peut-être un trésor. Mais en fait, ça vaut pas un clou. Pourquoi est-ce que tu en avais après nous? Pour aider la Gaina. Tous ces efforts dans le seul but d'aider comme c'est admirable. Mais vois-tu, on ne veut pas tous se payer le luxe d'être généreux. Certains essayent déjà de survivre. Pour te dire, on a une dent contre le groupe Galaxy. Et vu que tu en fais partie, ben techniquement... Vous pouvez pas savoir que j'en fais partie parce que ma tenue n'a rien à voir actuellement avec le groupe Galaxy. Donc, un peu de... On ne te tient pas en haute estime. D'ailleurs, ça me rappelle un ancien poème. Dans la douce lumière du ciel printanier, pourquoi les pétales s'éparpillent-ils inquiets? C'est pas un poème, c'est deux vers. Arrête de me narguer la flamme, je sais que t'es de l'autre côté, mais je peux pas y accéder. Bon, retournons au loin, là-bas. Et il fallait tant qu'à faire s'il y a des paras au passage. Ah, attendez, j'ai un souci avec mon hérissant dans moi. Voilà. Petite potion. Nickel. Voilà. Peut-être que je peux l'avoir. Oh yes. Il y avait un autre paras tout à l'heure. Bon, c'est pas grave.
S'il me dit qu'il faut qu'il soigne mes Pokémon juste là, ça m'embête un peu. Parce que je viens d'utiliser quand même un rappel. Oui, je l'ai. C'est maintenant là? Mais non. Madame. L'histoire du de, j'ai battu une des sœurs, elle me donne le fragment de mur, je trouve ça un peu léger quand même. Hein. J'aurais aimé un combat contre les trois sœurs, mais bon. Ah, qu'est-ce qu'elle veut? Tu as le fragment? Oui, je vais les donner, c'est cadeau. Bien sûr que je vais l'apaiser, évidemment. Par contre, Ursa King, je sais pas comment je vais le battre. Hein. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre que moi se préoccupait autant d'Ursa King. Allez, on va. Non mais madame, je peux vous aider à le replacer. Attention à votre dos quand même. Tout est rentré dans l'ordre. C'est une incantation, c'est quoi? Des arbis! Punaise! Je le savais! Ah, elle me le traduit. Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant à d'autres vies. J'ai lu ces inscriptions maintes fois sans en saisir le sens. J'avais fini par presque les oublier. Mais grâce à toi, je pense les avoir enfin comprises. Ce qu'il y a décrit illustre bien que sans ton aide, je n'aurais jamais réussi à construire, reconstituer ce mur. Est-ce là l'un des enseignements du Grand Sino? Comment t'appelles-tu? Bah, Jake. Veux-tu m'aider à apaiser Ursa King? Je vais essayer. Il est certes très énervé, mais pas au point de devenir complètement enragé. Je crois que si on lui donne le remède approprié, il pourra retrouver ses esprits. Bah tiens donc. Mes principes m'interdisent de laisser mon Pokémon se battre, mais j'imagine que ce n'est pas un souci pour toi. Ursa King aime se rendre sur le plateau tourbeux. Quand tu seras prêt, rejoins-moi là-bas. C'est où? Je veux bien, mais c'est où? Oh punaise, c'est méga. Elle est partie, c'est ça? Ouais. Est-ce que je peux le réinspecter du coup? Non. Je vais juste à l'entrée du temple voir s'il n'y a pas Percupio. Non. Il s'en fout complètement. Alors, direction le bio. J'ai bien fait d'explorer pour aller mettre ça. Ça va m'aider un petit peu. Tous mes Pokémon sont en parfaite santé. Okay. Point sur Mustébué dans le Pokédex, pardon, mais il y a moyen de le faire évoluer. Mais je voulais savoir avant. Spécimen attrapé, grande taille, vaincu. Ah, c'est ça. Il faut que je lui fasse faire encore un Aqua Jet. Donc, ne le fais pas évoluer. Aïe. Bonjour. Ursa King a beau être énervé, il répond toujours à l'appel de ma flûte céleste. Une flûte. Flûte, monture. Ok, c'est probablement son instinct de monture Pokémon qui le pousse à venir. Ursa King en monture. Waouh. Maintenant, montre-lui de quoi tu es capable. Mais attention, Ursa King est un Pokémon très cher au clan Perle. Je t'interdis de l'attraper. Et si je le fais? Bon, est-ce que t'es vénère au point d'être un boss ou est-ce que t'es juste un... Techniquement, t'es censé être un roi. Niveau 26. J'en ai marre des Pokémon seuls, mais j'en ai marre.
bon. Les tours volent. Comparé au combat du premier boss, j'espère que c'était pas ça le vrai boss en vrai. Alors viens là, Ursaking, tu dois être bien fatigué mon pauvre. Ne t'en fais pas, je vais prendre soin de toi. C'est un remède secret du clan Perle. Il est bigrement efficace pour purifier le corps et éliminer les toxines. On l'appelle le détox et ce n'est autre, rien d'autre qu'un antidote antipoison. Non ? Ursa ! Mais comme c'est un remède très puissant, on ne l'utilise que sur des Pokémon aussi robustes qu'Ursaking. Ah, n'est-ce pas mon petit Ursaking, tu as l'air d'aller bien mieux à présent. Je pense néanmoins qu'il y a quelque chose qui cloche. Il ne brillait pas. Ouais, il ne brillait pas. Ouais. Tu as l'œil pour quelqu'un du groupe Galaxy. Exactement. Quand tu as apaisé la rage de Hécateur, même d'ici, j'ai pu voir une lumière s'élever vers le ciel. Mais il n'y a rien eu de tel pour Ursaking. D'ailleurs, il ne brillait pas à la base. Par contre, j'ai trouvé cette substance sur son corps, c'est une sorte de poudre. Je me demande pourquoi cette Marcia du clan Diamant est venue me parler d'Ursaking. Oh, elle a voulu le capturer. J'ai oublié quelque chose d'essentiel. Peux-tu me jouer de ta flûte céleste? C'est la même. Ursaking a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Il me donne la plaque terre, tiens donc. Ursaking peut déterrer des choses enfouies dans le sol. Maintenant, va rapporter tout ça à ton dirigeant. Mais c'est bon, il est calmé, Ursa, c'est fini. Vous pouvez désormais appeler Ursaking en guise de monture. Il peut déterrer des trésors. Si Ursaking perd un trésor devant lui, il va se précipiter dessus, d'accord. Quand Ursaking réagit vivement, il faut appuyer sur le bouton Y. D'accord. Bonjour madame. C'est tout ? Je me barre ? Un gros gros ! C'est comme l'archéologie dans WoW, j'ai horreur de ça. Je comprends pas son... intuitif. Ok. Un vieux poème neuf. L'un des vieux poèmes que l'on peut déterrer aux quatre coins de Issui et en juger par la forme des lettres. Ces poèmes sont l'œuvre d'un seul et même auteur. Voulez-vous le lire ? Oui. Les os des Pokémon sont déversés dans la rivière. Mes souvenirs également déversés dans la rivière. Bientôt, ils atteindront la mer et feront le tour de la terre. Mais jusqu'à ce moment, combien d'os déversés ?
Et depuis ces moments, combien de doses déversées? À chaque déversement, je pleure des larmes à l'océan. C'est beau. C'est un vieux poème neuf. Non, mais neuf. Neuf le. Tu grimpes pas au truc, toi. Allez. C'est quoi? C'est un moustique. Quelle heure il est? En vrai, le temps que j'aille à la base, que je papote à tout le monde, que je rentre de mission, peut-être pas trop traîner. Bonjour professeur. J'en étais sûr. Punaise, va falloir tous les attraper, sérieux. J'ai pas eu la foi de le faire dans Diamant et Perle. Bon, Percupio dit d'avoir vu des symboles semblables à des lettres dans les ruines Bon Vivre. Peut-être qu'il s'agit d'une espèce de Pokémon pouvant se présenter sous différentes formes. Je vais ajouter une section entièrement pour lui dans le Pokédex. Sérieux? L'alphabet Zarbi a été ajouté à votre Pokédex. Tiens, il y a des sortes de lettres dans la section que je viens d'ajouter. D'ailleurs, ton Smarcius a réagi tout à l'heure. Peut-être qu'il y a quelque chose à te montrer. L'alphabet Zarbi. Pour ouvrir la page de l'alphabet Zarbi, appuyez sur le bouton Y une fois sur la couverture du Pokédex. Déchiffrez les indices en alphabet Zarbi et capturez tous les Zarbi dissimulés à Issui. Notez que les Zarbi possèdent une force mystérieuse qui leur permet de repousser les balles de partenaires. Il est donc impossible de les affronter. Scénario sur 20. Tu as capturé 36 Pokémon, oui. Je suis content d'avoir eu des Porygons, mais vraiment. 15 994 Pokédollars. Et en vrai, ça en fait de la thune. Dommage. Allez, on rentre au village. Bonjour Lucia. Te voilà enfin, dépêche-toi d'aller au bureau de notre dirigeant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi poser mes items. Je vais poser les items. Ah punaise, le riz zélé, faut que je le garde sur moi. Le riz, faut que je le garde sur moi. Je crois qu'il en fallait 3. Ensuite, ça c'est à vendre. Est-ce qu'il y a d'autres trésors quelque part dans le sac? Oui, ici, ça se vend. Les Super Bowl, ça va de l'autre côté quand même. Rappel de l'autre côté. Y a rien qui est classé quoi. Voilà. Et normalement je suis bon. J'ai beaucoup de tessons. Mais j'ai jamais compris à quoi ça servait. Ça on réorganise aussi. C'est tout. Il y a des quêtes.
On va d'abord au magasin. J'ai mis Pokémon, moi. Oui, c'est bon. Bonjour. Combien t'en voulais? Attendez, je vends ça. Je vends ça. C'est pas du Rizelé que j'ai sur moi? Combien il lui en fallait? Punaise, faut passer aux plaines, rendre les champignons. Alors. Maison du textile, elle veut des hippopotasses. Ben 3 sur 3, je les ai sur moi. Ah, c'est un nectarin. Oui, oui, j'ai rien dit. Je sais plus où est-ce qu'il est, mais oui. Bon, toi, madame, les hippopotasses. À propos de la mission. C'était mâle et femelle, c'était pas gris et... D'accord. J'ai eu un peu de chance là pour ça quand même. Nouveaux articles à la maison du textile. On va vite fait se déplacer dans les plaines pour le champignon. On nous a rapporté une apparition massive de Pokémon dans la région. Oui. Champignon, c'était ici. Pas sur moi, punaise. Alors, champignon, il en voulait qu'un seul. Voilà. Il m'apprend quoi, une omelette? Boules d'apate. Utilise les apates ou mou pour apater. D'accord. Ok. C'est une recette en fait. D'accord. Alors, les boules d'apate. Et les champignons, ça va de l'autre côté. Voilà, ça on réorganise. Et où le prof? Bonjour professeur. Je vais retourner au village. Plus de shopping, mais ça suffit, oui. Il y a un but dans le jeu quand même. C'est le but du jeu, c'est pas d'aller attraper toutes les fringues. Alors, mission secondaire, il fallait que je rapporte les éblis là. C'était dans le bâtiment principal? Sérieux? Ah ouais, d'accord. D'autres en mission secondaire que j'ai terminé là, j'y pense. Pardon, mais les sériflores, désolé. Les flammes, c'est en cours. Ça, on va le faire. Apporter à Tami le Pokémon à trois feuilles qui.
Mince, j'ai zappé ça. Ou alors c'est le... j'ai un doute. La page du Roselia, ça s'est raté. Et les psychoquacks allaient ressusciter. Ben, il y a beaucoup de choses dans le bâtiment en fait. Donc ça va aller. Ah, c'est au sous-sol. Il est hors de question que je fournisse quoi que ce soit à la boutique de ce brigand. Oh, quand même. J'en ai du riz et les moi. Donc il y aura des nouveaux articles. Ok. Ensuite, mission. Faut que j'arrête de me tromper de bouton. Moi. Mission. Attendez. Ça j'ai pas fait. Ça j'ai pas fait. Ça c'est à la boutique. On va faire ça. Ça c'est pas fait. Et ça c'est fait. Ça c'est derrière moi, d'accord. Et ça c'est ici. C'est au-dessus. Allez go. On gagne un peu de temps. Un remède secret pour les psychoquacks. Ça s'appelle de l'ibuprofène. Non, c'est non, je sais pas. Médicament extraordinaire. Okay. C'est tout? Alors, la boutique. Donc maintenant ils vendent des pokés, des masses, des plumes, plein de potions, des rappels, une bombe aveuglante, de la pâte qui brille, de la pâte mou, de la pâte. Ok. Je pense qu'au bout d'un moment je vais arrêter d'aller farmer vraiment et je vais juste tout acheter à la boutique. Mais pour avoir l'argent, ça veut dire vraiment farmer le Pokédex par contre. Ils ont remis le remède secret, les psychoquacks. Ouais, bah diamant et perle. Hein. C'était dans ce bâtiment. Hein. Oh punaise, c'est lequel des trois? C'est ici. Siopo. Il s'appelle Jean-Michel avec J-A-N-M-I-S-H-E-L. Jean-Michel. Mais mon dieu, mais cette orthographe. J'ai mal à ma France, pardon. Mais... Oh, ce punaise. Ah, je me trompe de bouton. Alors, la quête, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là. Je peux garder. Voilà, je veux que ça reste comme ça, en fait. Alors, ça, fera revenir au marais. Ça, c'est pas bon. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ah, c'est ici. C'était celui du milieu. Faut que je lui montre le Pokémon à trois feuilles, mais c'est... D'accord, je vais pas lui montrer l'Hippopotocus quand même. Un Pokémon à trois feuilles. Lui. V-
On retente. Elle parle de qui? Attendez, là. Tout ça, c'était pas au marais. D'accord. Ou alors, c'est le Shuniti. Non. Donc, il y a des Pokémon dans le marais que je n'ai pas eu. Un Pokémon à trois feuilles. Aucune idée. Mais vraiment aucune idée. C'est forcément Mister. J'ai pensé au Mister dès le départ quand la quête a été reçue, mais... Pourquoi Mister serait rare? Ça me surprend un peu. Point mission de nouveau. Attendez. Non, c'est pas ça. Donc les missions secondaires, elles peuvent rester comme ça, les missions secondaires, s'il vous plaît. Normalement, là, on est bon dans le... Enfin, bon, dans le sens où je suis à jour. Voilà. Maintenant, dans la principale, il faut juste parler à Cormier. Ah mais c'est lardi. Oula, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe? Il peut plus faire des beignets de patates. Fragile Eddy, reine du col et protectrice du clan Diamant, est devenue enragée. Cette traîtresse de Marcia le savait et elle ne m'a rien dit. Marcia? Les Fragile Eddy sont toutes des femelles, c'est pour ça que c'est une reine qui règne sur le col. Qu'est-ce que je raconte? Je suis pas là pour parler de ça. Je cherche Marcia, mais je la trouve nulle part au village. Elle est venue à la cantine manger mes beignets de patates. Elle leur a fait honneur, faut dire qu'il n'y a pas meilleur que mes beignets. Oui, mais on s'en fout. Si jamais Marcia avait quelque chose à voir avec les problèmes causés par Ursa King au clan Perle, cela pourrait bien faire naître un nouveau conflit entre les deux clans. Cormier, dites-moi, vous feriez quoi si un conflit éclaté entre nos clans? Nous resterions neutres. La Suisse! La Suisse, pourquoi ça? Parce qu'intervenir ne ferait que verser de l'huile sur le feu. Nous nous sommes installés sur cette terre en espérant éviter tout conflit. La voie de la sagesse, blablabla. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, j'ai gagné la confiance de Ilagena. Si Ursa King a reconnu ta valeur, tu vas réussir à apaiser Fragile Eddy. D'accord. Un peu le but de la mission, oui, en même temps je suis tombé du ciel pour ça. Donc, servez-vous de la monture pour suivre le signal bleu et retrouver Marcia au marais Carmin. D'accord. Bon, avant de se quitter, on va jeter un petit œil aux tenues. Il n'y a pas de quête secondaire, on est d'accord. Allez, on va acheter des fringues. Des casquettes, partout des casquettes. Ah oui, il y a beaucoup plus de casquettes. Ouais. Mon dieu. Ah, le bandeau torsadé, il est pas dégueu. Là, oui, là, j'aime pas. Je préfère le tout blanc. Masque. Oh là là.
Mais ça, faut arrêter. Hein. C'est, on dirait des badges, c'est pas des masques. C'est vraiment moche. Bon, ça, c'est Naruto. Ok. En termes de kimono, on est sur des. Pour l'instant, il n'y a rien de neuf. On a des kimonos Pokémon, ça c'est nouveau. On dirait des kimonos chemises hawaïennes pour les vacances. C'est rigolo. Un peu plus graphique. Oh, celui-là, il est pas mal. Ouais. Des kimonos à motifs. Hey, franchement, ils se sont fait plaisir, hein, les graphiques, les graphistes pour... plein de kimonos. Bon, les kimonos extravagants, je les aime pas beaucoup. Ah ben, il y a Serbilin, la monture, Ashikater, Ursa King, ok. Des vestes. Oh, elle est trop belle. Je l'aime beaucoup, ça. Ah, elle est pas mal en noir aussi. En rouge. Elles sont vraiment chouettes. Même celle-là en violet, là. En prune, pardon. Ok. Pantalon. Bon, pantalon, les culottes, on les avait déjà vues. Ah, culottes de Pokémon. Je suis déjà moins fan des culottes. Ça fait très bizarre. Ça, c'est les extravagantes. Culotte courte, bah c'est un short, c'est un boxer quoi. Faut pas attraper froid. Tenue de karaté, Street Fighter, rien de neuf. Et les chaussures, ouais, pas grand chose d'intéressant. Pour l'instant, on est sur de la tongue. Hein. Ah, là, on passe sur des chaussures, par contre. Chaussures Jika Tabi. Je connais pas. Bah, en fait, j'ai des chaussettes et en dessous, c'est la semelle de bois. C'est tout. C'est perturbant. Ouais. Et les lunettes. Je ne porte pas en jeu. Oh. Non. C'est juste non. J'aime pas du tout. Ok. Eh bien, je ne vais rien acheter. Rien du tout. Je vais garder l'argent pour les Pokéballs. J'en ai combien d'ailleurs des Poké? 35, 2, 2, 15. On va faire le plein. J'en ai acheté 20. 30. Des masses bols, je vais en acheter 30 aussi. Des plumes bols, je n'utilise pas vraiment en fait. Des Pokémon qui volent ou qui sont très rapides. Ouais. Potion, j'en ai 8, je vais en prendre 10 de plus. Super potion, je vais en prendre 10, ça me plaît bien. Ça coûte cher. Des rappels, j'en ai 12, je vais les rester sur ça. Bombe aveuglante, je dis pas vraiment. Et ça, on verra plus tard. Donc là maintenant, j'ai 65 Pokéball, 32 Mass Ball. En vrai, on va augmenter encore plus. 65 pour 100 jusqu'à 100, ça fait 35. Ensuite, là, 32, ça fait 70, moins 2, 68. Voilà. Et je m'arrête, là. Niveau sac, j'ai tout classé. Voilà. Il me reste à sauvegarder. Non, il y avait les bons points.
Avant de partir, vite fait, je l'avais dit, les bons points. Acheter des pokéballs. J'ai 500 points. Une pokéball coûte 100 points, c'est cher. Super bonbon, 1000 points. 1000 points, oh là là. Pierre, les pierres d'évolution, c'est 1000 points. C'est méga cher, Pierre Ovalgue. Ah ben là, on a des items qu'on connaît, griffe rasoir, pro rasoir, tissu peau métal, protecteur. Là, par contre, je connais moins. C'est dédouteux. Je vois pas trop à quoi ça sert. Un fil de lise. Mon dieu, le Pokélink. Ah là là, tant de souvenirs. Maintenant, donc c'était pour obtenir. Maintenant, si je veux échanger des Pokémon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, mais ça, c'est juste d'accord. C'est de l'échange. D'accord. C'est l'échange avec quelqu'un, pour de vrai. J'avais pas capté. D'accord. Ok. Eh bien, je vais me mettre ici, là, c'est très bien. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve la nuit prochaine sur Pokémon Legends Arceus YouTube. On se retrouve bientôt. Je sais pas quand ça s'est programmé encore. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, passez une bonne semaine, suivez bien entendu les réseaux, il va s'en un peu partout, vous connaissez la chanson, point d'exclamation sociale dans le chat, je crois que c'est ça. C'est ça. Rejoignez le Discord, c'est important, il y a des jeux gratuits à récupérer chaque semaine sur Discord, c'est pas des blagues. Abonnez-vous un peu partout, abonnez-vous sur Twitch pour nous soutenir, followez sur Twitch, ça nous fera aussi plaisir, c'est hyper important. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, ouais, c'est tout. Allez, pour Robert dans le chat, un petit bisou. À bientôt, à la nuit prochaine, cordialement. Bisous.